Passants égarés, tombés à terre en plein été, comme aux derniers mois du rude hiver, sur eux des bouches indécentes ont soufflé fort. Franck, Lydia, Tariq, Henri et Antoinette. Injuste châtiment. Les esprits insensés, tant grossiers que vulgaires, détournent le regard. Et les villes hostiles assurent leur déroute, jettent sur leur dépouille un long voile d'oubli. Souffrons d'entendre le râle du mourant, celui de Muriel, dépouillé de son thème astral, ou bien ceux d'Ernesto, de Michel, de Lubomir. Sur l'air aplani de la sotte solitude, jours et mois devant eux se sont enfuis. Mokhtar, Vladislav, Rudy, René, Jörg, et tant d'autres volent à présent vers les hauteurs. Ô foules anonymes, gardez en mémoire toutes ces vies nomades. Malgré les textes avilis, c'est leur histoire que l'on entend. Et vous, ô frères et sœurs assemblés en bande, répondez, car vos silences ici me font saigner. Voyez ce qui se passe. Vous courez devant nous, nous faisons du surplace. Faut-il que la mort cynique remette à chacun d'entre vous un trophée victorieux? À Anton, à Hubert, fantômes relégués dans les ruines hallucinées de ce récit? Espérant comme par miracle ressusciter au matin propre, des figures animales oblongues poussent ça et là en pagaille. Depuis que les chiens ne dorment plus dans la rue, une foule d'hommes et de femmes couche à la belle étoile, et l'extrême anxiété se permet, elle, de faire la grasse matinée. Cortège funèbre, cadavres immobiles alliés le temps d'une partition. Il est trop tard pour entreprendre une démarche. Une messe à six voix, le miroir de Monteverdi, renvoie de nos mines de défaite la douleur pétrifiée. Tant d'êtres respectables, tant d'innocents solitaires meurent dans le dénuement, dans un silence cadavérique. Si tout cela succombe bien avant terme, est-ce à dire qu'ils méritaient de ne plus vivre ? 2021, 2022, année sombre et saison raccourcie. Plus précieux que toutes celles et tous ceux qui veulent laisser une place dans l'histoire, leurs noms se comptent par centaines, s'inscrivent dans le ciel, dans l'épopée. Et tant pis si d'autres ne sont là que pour bien se nourrir et s'orner de richesses. Tant de personnes anonymes, sans peur et sans abri, se sont éteintes. Tant de mains tendues cette année dans l'indifférence générale. Là de se terrer, d'attendre des jours meilleurs, des corps offensés disparaissent dans la nature. Alors, loin du crime, du réquisitoire, tenons compte des plus fragiles, honorons ces soldats de l'ombre tombés sans armure à la bataille. Youssouf, Jean-Pierre, Frédéric, Jean-François, vous qui ne cessiez de pointer le nez au point du jour, réveillez-vous, je vous en conjure. Sachez que, sans discrimination ni hiérarchie, la terre, la mer, les forêts, les rivières vous appartiennent. Et les poissons, les oiseaux, les champs à l'abandon n'attendent plus que vous, aux brumes de l'aurore. Alors, sans vouloir déranger l'avenir, dites-moi, chers Jean, Eliane, Alain, Christian, où et à quelle heure vous retrouverai-je, magnifiquement vivant? Compagnon d'infortune, si proche et à la fois si éloigné, le poème en colère est plein de vos empreintes, de vos initiales,
et ces vers de compassion pleurant sur vos têtes ne sont là que pour vous ennoblir.